La première européenne du 8e épisode de Star Wars, Les Derniers Jedi, a été projetée au prestigieux Royal Albert Hall de Londres, en présence des princes William et Harry qui auraient filmé une scène du film déguisée en Stormtroopers lors d'une visite du tournage l'an dernier. Mais comme la famille royale, les robots et acteurs présents sur le tapis rouge refusent de confirmer la rumeur. Moi, à mon avis, Harry, c'est le Jedi. Pour moi, sincèrement, c'est le Jedi. Donc on verra bien. Vous savez, ces films ont été pensés pour les enfants à la base. On n'aurait jamais cru qu'ils seraient repris par le monde adulte. Je pense qu'on atteint ce point précieux qui parle aux enfants de tous les âges. Mais en gros, c'est une échappatoire. Les gens en ont besoin quand la réalité est trop dure. Le film débute où s'est terminé le réveil de la Force avec la mystérieuse Rey et le héros original, Luke Skywalker. Il offre aussi à voir pour la dernière fois Carrie Fisher, morte en décembre dernier dans le rôle de la princesse Leia. Les derniers Jedi sont sortis en force dans les salles obscures ce mercredi.